Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de Nikos Theodorides, le président du Chypre, discutant des relations bilatérales de la situation régionale. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que lors de cet appel, les deux parties ont souligné l'engagement des deux pays à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir de coopération dans divers domaines conformément aux intérêts des deux peuples amis. Dans le domaine économique, les dossiers énergétiques, connectivité électrique. Les deux présidents ont également affirmé leur attachement au mécanisme de coopération tripartite avec la Grèce, ainsi qu'à ses réunions périodiques, étant l'un des outils importants pour activer la coopération régionale. Le porte-parole officiel a ajouté que l'appel a porté sur les développements régionaux et les moyens de calmer la situation dans la région. À cet égard, le président Sisi a réaffirmé la nécessité pour toutes les parties d'agir ses responsabilités afin de cesser immédiatement le feu dans la bande de Gaza et au Liban, tout en avertissant du danger d'une escalade continue avec ses graves conséquences pour tous les peuples de la région, espérant la stabilité et le développement. Pour sa part, le président chypriote a apprécié les efforts égyptiens visant à restaurer la stabilité dans la région, soulignant la volonté de son pays à soutenir tous les efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à l'inspection de l'état de préparation au combat de la 6e division blindée de la 2e armée de campagne à Ismaïlia. Cela intervient à l'occasion du 51e anniversaire d'octobre 1973. Il faut s'arrêter à cette date. Cet anniversaire commémore les efforts sérieux et le succès surprenant réalisé par nos forces armées. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à l'inspection de l'état de préparation au combat de la 6e division blindée de la 2e armée de campagne à Ismaïlia. Cela intervient à l'occasion du 51e anniversaire de la victoire d'octobre 1973. Il faut s'arrêter à cette date. Cet anniversaire commémore les efforts sérieux et le succès surprenant réalisé par nos forces armées. Il s'agissait d'une période de conflit. L'armée égyptienne était en situation difficile. Il y avait un fossé dans les capacités, mais avec la volonté de combattre pour libérer les territoires et la vision générale qui a devancé son époque, l'Égypte a pu réaliser la paix, a déclaré le président. La guerre est une exception, a précisé Sisi, tout en affirmant que l'État égyptien, avec toutes ses institutions, y compris les forces armées, n'ont aucun agenda vis-à-vis de qui que ce soit. Le fondement, c'est la paix, la stabilité, la construction et le développement, a-t-il ajouté. Le choix de l'Égypte de la paix comme option stratégique a été mis à l'épreuve le long des 51e années écoulées. Tout ce qui se passe dans la région constitue un véritable test de cette stratégie, a précisé Sisi. Le président a assisté également à l'inspection de l'état de préparation au combat de la 6e division blindée de la 2e armée de campagne à Ismaïlia. Y étaient présents le Premier ministre Moustapha Madbouly, le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, et plusieurs ministres et dirigeants de l'armée. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouly et le ministre des Finances Ahmad Kojok, où le président a suivi les indicateurs de performance financière du budget public et les efforts du gouvernement pour atteindre l'équilibre financier qui contribue à améliorer de l'économie nationale, notamment à la lumière des défis régionaux croissants et ont des répercussions économiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouly et Ahmad Kojak, ministre des Finances. Le président a suivi les indicateurs de performance financière du budget public et les efforts du gouvernement pour atteindre l'équilibre financier, ce qui contribue à améliorer les performances de l'État, notamment à la lumière des défis régionaux croissants ayant des répercussions économiques. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a expliqué que la réunion a témoigné de l'examen des mesures gouvernementales en cours pour attirer davantage d'investissements locaux et étrangers, y compris le programme d'incitation et les facilités fiscales annoncées récemment. De même, on a passé en revue les efforts visant à réduire la dette publique de manière intégrée afin d'améliorer tous les indicateurs de l'endettement à moyen terme, ainsi que les travaux entrepris par le gouvernement pour maximiser les rendements en dollars.
Le président a dirigé de poursuivre la voie d'une réforme institutionnelle globale visant à garantir la discipline financière et une bonne gouvernance en rationalisant les dépenses publiques, en augmentant les recettes publiques et en réduisant la dette publique, de manière à renforcer la capacité de l'économie à résister à divers défis, en fournissant un environnement d'investissement et de développement compétitif, ainsi que plus de revenus à l'État pour améliorer les services aux citoyens, surtout dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. L'Égypte et la Jordanie ont passé en revue les efforts déployés auprès des parties en conflit, des régionales et des grandes puissances pour éviter le risque de dérapage vers une guerre régionale, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati. L'Égypte et la Jordanie avaient mis en garde contre les conséquences catastrophiques de cette guerre, ajouté le ministre au cours d'une conférence de presse à l'issue de pourparlers mardi avec son homologue jordanien Ayman Safadi. Les pourparlers ont abordé la de deux pays avec l'État et le peuple du Liban dans le contexte des attaques israéliennes continues sur l'île et les agressions contre la population libanaise qui ont fait de nombreuses victimes, y compris des femmes et des enfants. L'Égypte et la Jordanie ont réaffirmé l'importance de mettre immédiatement un terme à l'attaque israélienne sur le Liban et la nécessité d'ouvrir la voie à un règlement politique en appliquant la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été acceptée par le Liban. L'État accorde un grand intérêt à la modernisation de ses infrastructures spatiales. Ils sont dans le capital humain et dans l'innovation scientifique afin de renforcer la stature du pays dans ce domaine à l'échelle internationale, a déclaré le Premier ministre Mustapha Madbouly lors d'un entretien avec le président exécutif de l'agence spatiale égyptienne, Chérif Sebi. Ce dernier a passé en revue le potentiel unique de l'agence et de ses partenariats internationaux. Il a indiqué que l'Égypte avait des objectifs stratégiques dans le domaine de la technologie spatiale, l'un des principaux axes du développement durable dans divers secteurs vitaux, évoquant les efforts de l'État pour mettre à profit les données spatiales dans la prise de décisions stratégiques. Sotki a également parlé des installations de la cité spatiale et des progrès réalisés dans la localisation de la technologie des satellites. L'entreprise du projet de plateforme électronique qui permettra aux usagers de voir et d'acheter les images satellites. La Chambre des représentants a approuvé l'augmentation de la valeur de l'accord de subvention d'aide entre l'Égypte et les États-Unis concernant l'initiative sur le changement climatique de 5,5 millions de dollars pour atteindre 20,5 millions de dollars, annoncé mardi 8 octobre la ministre de Planification et du Développement économique de la coopération internationale, Dr. Ronnie Al-Mashat. Cette subvention sera fournie par l'Agence américaine pour le développement international. Les activités financières dans le cadre de cet accord se concentreront sur les efforts de coopération avec les ministères et les parties prenantes. Ces activités incluent des domaines axiaux comme l'initiative de la mer Rouge et les mécanismes de financement climatique et renforceront les initiatives en matière d'énergie propre. Les activités incluent également les initiatives en matière d'énergie propre. L'Agence américaine pour le développement soutient le programme Nexus de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie du gouvernement égyptien en fournissant une assistance technique pour les plans du pays dans ce domaine. L'initiative de Bridgetown lancée pour réformer l'architecture financière internationale afin de faire face aux risques économiques mondiaux, y compris le changement climatique, souligne la nécessité de restructurer les institutions financières internationales et d'accroître les flux de capitaux pour réaliser les objectifs de développement durable, l'ODD, déclaré Rani Al-Mashat, ministre de la Planification, Développement économique de la coopération internationale, lors de la conférence de Hambourg sur la durabilité tenue dans la ville allemande de Hambourg, à laquelle Mme Mashat a participé en tant qu'oratrice principale. Selon un communiqué du ministère, Dr. Mashat a mis l'accent sur la plateforme de cofinancement innovante lancée par 10 banques de développement, dont la Banque africaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le groupe de la Banque mondiale, afin d'orienter les capitaux supplémentaires
la portée et l'impact du développement et de mobiliser des fonds pour des projets majeurs. L'auteur Machat a souligné l'importance d'accroître le financement du point de vue qualitatif des pays en développement et des pays émergents, et de renforcer la coopération triangulaire entre les pays et les banques multilatérales de développement pour partager les connaissances, l'expertise, les expériences de développement et accélérer le rythme du développement et de l'action climatique. Le ministre du Logement et des Nouvelles Collectivités Urbaines, Chérif Cherbini, a annoncé que 5% des 6 575 unités de logement proposées dans 15 villes nouvelles seront attribuées aux personnes en situation de handicap ou celles qui les aident selon les directives du président Abdel Fattah el-Sissi. Dans un communiqué mercredi, le ministre a indiqué que les réservations de logements se font via le site électronique www.reservenewcities.gov.eg à partir du dimanche 27 octobre jusqu'au jeudi 26 décembre 2024. L'attribution aura lieu à travers un tirage au sort et la date et le lieu seront annoncés ultérieurement. Le ministre de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, Mahmoud Ismat, a souligné mardi la profondeur des relations entre l'Égypte et la Suède, soulignant la participation active des entreprises suédoises aux projets électriques et d'énergie renouvelable égyptiens. Ismat s'exprimait en recevant l'ambassadeur de Suède au Caire, Hakan Emsgard, indique un communiqué du ministère de l'Électricité. La coopération dans les domaines de stockage de l'énergie, des énergies renouvelables, de la formation du personnel ont été au menu de l'entretien. La conférence des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles au Kazakhstan porte un message noble qui veut le bien de l'humanité en réalisant les grandes finalités dans les enseignements des religions, a déclaré le ministre de Wakf, Oussam Al-Azhari. Les leaders spirituels sont réunis autour d'une table pour dialoguer afin d'élaborer des visions communes et des solutions efficaces à de nombreuses questions humanitaires en lien avec les défis du monde contemporain, a fait savoir Al-Azhari dans une allocution prononcée par le chef de l'administration centrale des affaires des mosquées du Saint-Coran, Oussam Fakhri Gendi, devant la conférence organisée par l'Université égyptienne de la culture islamique au Kazakhstan. Le ministre des Wakf a avancé des propositions sur certaines questions liées aux défis, entre autres la philosophie des relations nationales et sa racine dans les religions, ainsi que la connaissance mutuelle des civilisations dans les religions face à l'idéologie du conflit. Le comité permanent des suivis des relations égypto-africaines a tenu sa réunion ordinaire au ministère des Affaires étrangères sous la présidence du vice-ministre des Affaires étrangères, de migration et des expatriés, Bakr Hamid, avec la participation de représentants de plusieurs ministères et organismes. Ceci dans le cadre d'une série de réunions périodiques organisées par le comité pour promouvoir les relations de l'Égypte avec les pays africains en application des directives du président Abdel Fattah el-Sissi dans le cadre continue du ministre des Affaires étrangères en vue de renforcer les relations égypto-africaines. La réunion a permis d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales avec la République démocratique du Congo, la RDC et le Kenya, ce qui témoigne de la direction politique égyptienne de renforcer l'engagement de l'Égypte sur le continent africain, et ce dans l'intérêt des deux parties.